Allez, c'est parti, Emmanuel Biroux qui est bien parti, Justin Gatlin, Nesta Carter, Justin Gatlin champion du monde. Attaque maximum dans le dernier mur, et s'en sort très bien pour l'instant Alexis. Ça file. Les Gallois pour rester sur une bonne impression, Claude Berti déchire le rideau, Kerbet à la course, Claude Berti. Il aura fait encore beaucoup de bout devant, c'est lui qui règle le peloton, et regardez Lepheimer qui est tombé de nouveau, non? Oui, c'est Levi Lepheimer qui vient de tomber de nouveau. Oh, quel panier incroyable, Sinegarini. Bruno Lavilloni, quasi champion du monde déjà de la spécialité. Oh. C'est pas vrai. La bonne remise pour Lacazette. Lacazette frappe de Lisandro. Oh, elle est belle. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Où ça sent le podium pour Alexis. Allez, oui, sans problème. Et c'est devant. Superbe. On va voir, l'image va être impressionnante. Elle va être impressionnante parce qu'il va ramener sa tête et à ce moment-là, hop, il va prendre tête contre tête. Trimble et là, il va tomber de tout son poids. Claude concède 4 dixièmes à Peter Solberg dans un espace confiné où la moindre erreur vous remet les idées en place. Là, il y a un survol, mais il n'y a pas de rapide. Prof qui réplique intérieur. C'est peut-être l'essai de la gagne pour les Anglais. L'essai de Tom Croft. Jean-Christophe Perrault va être battu par Liev Bechtra qui pulvérise. Alors, c'est absolument extraordinaire. De travail, peut-être de sap, hein, d'ailleurs, pendant cette première période. Oh, Sissoko. Et ce sera le rouge. C'est fait. Ça va être dur. C'est fait pour Martin Fourcade, plus que jamais. Attention quand même à la dernière descente, mais là, c'est fait. Là. Enfin. Impérial, Martin Fourcade. Le ballon de la dernière chance, faut absolument marquer sur cette mêlée. On va sortir. Les Français qui font des forts. Par oui, ça va aller. Allez, Wesley Fofana. Quel retour pour Justin Gatlin. 19, c'est pas fait encore. 12 secondes, ça devrait suffire. 19-10, il va peut-être qu'il réalise le meilleur temps, il a gagné Paris-Nice. Bravo, en grand champion, Bradley Wiggins remporte Paris-Nice. Peut-être un peu trop là, si c'est parti, allez François, allez, il manque quelques centimètres. Jason Lamy Chapuis qui coupe la ligne, le troisième globe c'est fait, chapeau Chapuis. La reprise de Varro, il l'a raté, et le contre pour le Paris Saint-Germain. La balle de la victoire peut-être pour Jérémy Ménez. Ménez face à René. Le petit décalage et la victoire.